Bonjour. Hello. Bonjour. Invitez vos amis. On va écouter deux chansons. Voilà, beau appeler, sois salué, mon fils. On va écouter deux chansons. Voilà, aujourd'hui, on fait le tour de l'actualité, hein. Voilà, il y aura Didier Drogba, Sylvia, et la fameuse là, et quoi, Justin, politique et tout. On fait le brassage de tout. Voilà. Voilà, on va écouter. Nero X. Oui, invité, invité, invité. On va frapponner. But we get too strong, hey! If you like, make you more. But I still be the Kung Pao. I'm a militant, hey! What's I'm a weed, na na na. 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 Hey! Soyez tous salués. Taguez tout le monde. Les fans de Drogba qui viennent s'asseoir là. Taguez Didier Drogba. But we get it wrong, yeah. I'm a winner. I am a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Oh, I am a winner. Je vais inviter les gens. Inviter, inviter, je dis. Ça va frapper. Oui, je fais plaisir à mon fils. Voilà, bon, à quoi aller? Nathalie Madou, sois saluée, ma soeur. Ah, l'autre fois, mon ventre était bien rempli, hein. Ma petite soeur Félix, vite, vient m'a nourri à la soirée. Non, c'était chic. Mon fils, comment il s'appelle? Terry Kifi, garçon 5 étoiles, on est ensemble, mon fils, jusqu'à l'ascalas. La force tranquille, ma fille, sois saluée, mon bébé.
J'ai dit, faites asseoir Didier Drogba ici. Ta gueule, il va venir. Achougari. Sugar, sugari. Les Ivoiriens sont trop dans le... Oui, c'est notre star. Hé hey! Nous, on chie. Chou. Moi, ma star, c'est Charles Biagoudé et maman Simone Gbagbo. Hein? Celui qui est prêt pour nous, on est prêt pour lui. Tu n'as si fatigué ici. Tu n'as pas fatigué ici. Marie Adou, sois saluée. J'ai dit, ta gueule, Didier Drogba, il va venir là. Oh, on s'en fout de. C'est notre star. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Hein? Ici, Panali, Balam. Yango. Yango. La camisa. Shirai, Bazanzibari. Ashuga. Sugar, sugari. Sugari. Sugar, sugari. Sugar, sugar, sugar. Tambua, tambua. 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 Oh, Pratene, sois salué, soyez tous salués, vous qui êtes sur ce direct. Hey, j'ai dit, taguez Didier Drogba, il va venir là. Oh, ça commence à monter là. Aïe, ça commence à chauffer, hein. Avant, on va faire rapporter. Famille, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Faites monter là, frapponnez partout, partagez dans les groupes, parce que nous, on nous agbra, hein. Facebook qu'on est ici là, c'est les frappes, les vrais missiles. Non, Facebook, c'est que ici, là, c'est le vrai, hein, mes soeurs de Saïwa, de la force tranquille, China Bright, comment dirais-je, ma petite soeur, Edith Lago, hein, Facebook connaît, Facebook connaît, hein, Black Modo, hein, Balouna, Facebook connaît que, ici, là, hein, on cause ici que c'est les vrais missiles. Nous, on rigole pas, hein, on dégaine et puis... Donc, Facebook, hein, il nous bras dans tous les... Hein. Madeleine Kondo, il sait où ici, il sait où sont les... Hein, les vrais djinzins, les djinzins. Famille, c'est quoi ça, hein? On fait trembler Zuckerberg. Nous, on n'est pas là pour jouer, on est là pour... On est en maillot. Ah, vous pensez, Simon Gbagbo, c'est petit mousseau. Il y a des petits mousseaux hein, qui sont là, qui créent des trucs bidons comme les étoiles de mes fesses. Les étoiles de mes silicones, on peut faire ça Adama. Ta copine a créé quelque chose. On a créé quelque chose pour ta copine faire plaisir. Toi, tu sors là, tu sors des trucs à la con à 3 centimes. Eh, il faut créer les vraies choses. Je vous ai dit à Queen Kelly est là pour les vraies créations onidiennes. L'Indienne. Allez la voir. Ouais, vous venez nous distraire avec des conneries. Voici de voici, ma soeur, ma soeur. Bisous là-bas. Vraie femme. Vraie bosseuse. Vraie fille de Simone Gbagbo. Sois saluée depuis les States. C'est quoi ça, eh? Maman a des enfants partout dans le monde. Dans le monde mondial. Ethan Le Breton, voilà. Big up à toi. Sois tous salués. On va venir se koumali un peu, hein. OK? On va se koumali un peu. Voilà, ces temps-ci là. Le beau des beaux, Samuel Eto'o, garçon 5 étoiles. Ça, c'est mon moro, ça. C'est le mari de ma petite soeur. C'est ça qui est mon esclave. Hein? C'est le mari de mon esclave. Non, Eto'o, là, c'est mon esclave aussi. On dit, le mari de mon esclave, c'est mon esclave. C'est ça qui est la vérité. Voilà, vraie femme gourou. C'est ça qui est ça. Donc, notre le beau des beaux, il a été élu chez lui là-bas.
à sa fédération camerounaise de football. Et puis il y en a qui dit oui, pourquoi les gens ils vont commencer à attaquer Drogba parce que Drogba, ils vont dire, ils pensent que Drogba va distribuer son argent comme ça. Hé, hey, les gars, descendez sur terre. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Hein? Nous qui parlons que Drogba, il ne fait rien pour les Ivoiriens. On n'est rien, mais on mange quand même. Je mange, je me nourris, je n'ai pas eu besoin de Drogba. Et le peu que j'ai là, quand je peux partager, je partage avec les gens qui me demandent si je peux. Quand je dis je n'ai pas, c'est que je n'ai pas. C'est ça. Et moi, je n'ai pas besoin de l'argent de Drogba pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça. La seule chose que je demande à Drogba est ce pour qui... Oh. Pour qui... Pourquoi j'accuse... Je m'indigne du comportement de Drogba. Je vous dis, quand on a une personnalité de la trompe de Drogba, c'est-à-dire lui, il a la possibilité, lui et Assalfo, surtout Assalfo, qui est un Burkinabé à qui la Côte d'Ivoire a tout offert. Mais toi quand même, avec tout ce que tu as, qu'on t'a donné, mais tu as la possibilité de fréquenter le tueur des Saint-Doux, le bourreau des Ivoiriens, Dramane Ouattara. C'est pas tout, on fait avec force. Nous là, on est déjà brisés. Donc nous là, on vient zin. Mais toi, y a des manières, tu l'approches et tu veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en feu et en sang là, toi, tes affaires, ça va pas. Toi, tu vas devenir quoi, toi, à Salfo? Mais il y a des manières, vous pouvez quand même lui dire, ben, papa, on est avec toi pour la paix des Ivoiriens. Il faut essayer de libérer même les prisonniers, de faire ça. Parle avec tes frères pour nous, vos enfants. Nous, à l'époque, là, quand Afin Guessant, il devait aller voir le président ne voulait pas. Mais on a eu des paroles qui ont fait que le président, il a accepté. Mais vous, vous êtes là, là. Nous, on ne peut pas, nous, comme ça, là. Ouattara, il peut, nous, là, il n'a pas besoin de nous. On ne l'intéresse pas. Mais toi, Drogba, tu es à côté de lui. La seule chose que moi, je te demande, moi, Naomi, ton argent, je n'ai rien à branler. Mais la seule chose que je te demande, c'est de dire à ce monsieur-là, tu veux la paix, papa. Je parle en ton nom, hein, parce que moi, ce n'est pas mon père. Moi, les tueurs, je ne me reconnais pas en eux. Papa, pour la paix, essaie de parler avec papa Gbagbo. Parlez-vous et libère les prisonniers, les enfants des gens qui sont en prison. Regardez le frère quoi, Justin qui nous a montré l'autre fois. Mais les signes d'un empoisonnement, ça est là. On n'a pas besoin de faire... comment dirais-je, école de biologie ou de médecine ou d'être chercheur pour comprendre que ce monsieur a été empoisonné. Mais toi, Drogba, tu es dans Côte d'Ivoire, on dirait que nous qui sommes à l'étranger. Toi, tu es souvent là-bas, moi, ça fait 11 ans depuis que le monsieur de Saint-Doux est venu que j'y vais pas. Mais tu es toujours là-bas. Tu vois les choses, tu es sur les réseaux sociaux. Même ceux qui sont dans les cimetières, même ils sont sur les réseaux sociaux. À plus forte raison, toi, vivant. Tu ne vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Que le pays va à reculons. Mais il n'y a pas de paroles. Tu parles de paix. Mais où est la paix? Les enfants, les Dogbo Blé sont en train de mourir en prison. Les Kouah Justin, les Seka Seka sont devenus fous. Mais ça là, on n'a pas dit de faire politique. Mais parle pour ton peuple, pour qui demain, en cas comment on appelle, vouloir... postuler à la magistrature suprême qui pourront au moins parler, te soutenir. Mais tu ne fais rien pour nous. Samuel Eto'o, là, il est prêt pour son peuple. Quand les gens sont morts dans le Sahel, là, à l'époque, quand on maltraitait, les Africains étaient des esclaves dans le désert. Il a affrété un avion pour aller ramasser ses parents camerounais. Mais il y a des choses. Mais demain, là, ce monsieur-là, moi, je le vois, c'est un futur président du Cameroun, hein. On est là, retenez ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais, ils peuvent dire qu'il est arrogant, il est gonflé, il est dur, mais on sait qu'il donne à manger. Dans son village-là, ma cousine Germaine, elle a eu enfant avec son cousin. Tout est électrifié, gratuit. Tu es en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent, ils pleurent. Mais c'est quand c'est pour postuler, vouloir commander quelque chose, tu veux qu'on te soutienne. Et il y a des maudits qui viennent, oui, Drogba, c'est notre icône. Il est icône pour vous, hein. Moi, je fais rien avec ça. Moi, je n'ai pas besoin. Mais même son village, le pauvre planteur qui est là, là,
un hôpital pour Drogba dans un village, ça fait combien? Aujourd'hui, là, si tu construis un hôpital, n'importe quel chef d'État, il te donne le personnel pour. Ça fait combien? Ça fait combien? C'est normal. Quand tu dilapides ton argent pour les gens de l'Ouest, on sait ça que nous, on ne sait pas gérer. Mais quand même, on ne te demande pas l'argent même. Moi, je dis, quoi Justin qui est en train de mourir là? Est-ce que c'est normal? Tu étais là qu'on a... Tout ce qui se passe là, tu étais là, Drogba. Tu étais là. Tu n'es pas sur une autre planète, c'est en Côte d'Ivoire. Même nous qui sommes là, on voit. Tu étais là. Tu fais comme tu ne vois pas. Et demain, il y a des moutons qui vont sortir. Parce que Jean, tu es star. On fait quoi avec ça? Nous, on ne fait rien avec ça. C'est du donnant-donnant, le monde d'aujourd'hui, là. Annick Désiré Djédié, sois saluée, ma petite soeur. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est du donnant-donnant. Si tu ne peux rien faire pour le peuple, là, viens pas nous solliciter. C'est ça qui est la vérité. Il y a des gens comme nous qui sommes lucides. On va dénoncer au moment venu, au moment opportun où tu auras besoin de briguer une magistrature quelconque en Côte d'Ivoire. On va dire non. Ce monsieur-là, il n'a pas été là pour nous. On va faire quoi avec toi? Si tu n'es pas capable de défendre ton peuple en détresse au moment opportun, mais quand il est sorti de la misère, de la détresse, qu'il s'est battu comme un orphelin tout seul, il va faire quoi avec toi? Pourquoi tu veux qu'il te donnerait ses voix pour que tu puisses parler pour lui? Non! Non! Je suis désolée. Vous pensez que Samuel Eto'o, là, il ne parle pas à Paul Biya? Il lui parle. Il y a des choses quand même, on n'a pas besoin de tout le temps crier sur les réseaux sociaux pour que quand même tu réfléchisses. C'est pour ça, moi je dis, cette histoire de dire Didier Drogba, on s'en fout de son argent. Moi je dis une seule chose, à Salfo, Didier Drogba, vous avez la possibilité de fréquenter, d'approcher ce génocidaire-là. Vous pouvez lui dire, ceux qui sont en prison là, on dit que Gbagbo Laurent est libéré, ils font quoi là-bas? Pourquoi ils sont en prison? Il peut nous expliquer. Vous pouvez lui demander au moins. Vous parlez de paix et puis vous voulez, pendant que des Ivoiriens sont en exil, en train d'être transformés en Ghanéens, en Togolais, en Béninois, en Libériens, on ne veut même pas qu'ils rentrent chez eux. Et vous voulez, ceux-là, c'est-à-dire on fasse table rase, on les oublie. Eux, ce sont des Ivoiriens, des Haki Ivoiriens, qui sont des Haki. Ils ont trahi la nation pour vous. Ils doivent rester là-bas où ils sont. Vous allez vaquer à vos occupations et nous, on va vous regarder. On va vous emmerder. Nous, les Chihuahuas, nous, les n'importe quoi, là, on va vous parler la vérité. Parce que ce que nos parents ne peuvent pas dire, on va vous dire ça. On va vous dire ça. Dans votre Drogba, là, c'est vous qui l'effraie. C'est vous qui êtes en extase devant lui. C'est vous qui êtes, quand vous le voyez pour vous, après Drogba, il n'y a rien. Moi, je m'en fous des Drogba. C'est de ça que je parle. Drogba, là, j'en ai cure. Je m'en fous éperdument. Aujourd'hui, demain, et jusqu'à l'Ascalas. Je m'en fous. Parce que je sais qu'il ne fait rien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il voit les Ivoiriens, il s'en fout. Quelqu'un qui est parti au Ghana, pendant que les gens, pendant la crise, ils étaient dans la misère. On n'a pas besoin de ton argent, mais allez même dire, vraiment, notre pays, mettons-nous ensemble la paix. Leur parler même, les apaiser, rien. Tu dis tu n'es pas venu pour ça. Maintenant là, tu veux FIFA et puis on va courir derrière toi. Tes moutons là, ils vont partir parce qu'ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui sont bornés. Dans un pays là, c'est le tout qui fait un monde. Voilà, la racaille, les malades mentaux, tout ça là. Quand on compte la population démographique là, on ne dit pas celui-là il est fou. On dit 27 millions d'Ivoiriens. Dedans, il y a les malades mentaux, il y a des déséquilibrés, il y a les violeurs, il y a les... Il y a tout dedans. On ne trie pas. Donc, ça là, tu peux avoir combien de millions de malades mentaux qui vont te suivre. Mais moi, la fille de mon père, là, lucide, telle que je suis là, avec mon nez que Dieu m'a donné pour que quand tu me regardes, tu sais qu'on ne peut pas me prendre pour ça, fait rien là. Je ne te suis pas. Je ne te suivrai pas et je ne ferai pas ton atalakou. Je serai là pour dire attention, celui-là, il ne va rien faire pour vous. Parce que tu n'as rien fait pour nous pendant qu'on était Ouattara maltraitait les Ivoiriens. Donc pourquoi je vais me précipiter? Parce que tu achètes à Loco Garba pour donner à des affamés qui ne comprennent rien. Ils vont te suivre. Dédé pour toujours. Dédé pour ici. Dédé là-même, il ne te connaît pas. Il ne te calcule pas.
Il ne te calcule pas. Pendant que tu suis sa voiture, tu cours. Tu n'as même pas de sandales. La poussière, tu soulèves ça et tu te t'empiffres ça pour toutes les maladies qui vont suivre après. Tu le suis. Il ne te connaît pas. Ça sert à quoi? Donnons à César ce qui est à César. Samuel Eto'o, il le mérite. Il le mérite parce que son peuple a sait. Son peuple, là, il crée des emplois pour les Camerounais. Il est prêt pour eux. Quand ils sont en détresse quelque part, tu vas entendre que Samuel a envoyé billets pour les filles qui sont dans le... Comment on appelle ça? Dans les Émirats pour les rapatrier. On a vu ça ici, YouTube est là. On a vu tout cela. Il y en a qui disent, oui, Drogba, il dit pas, il n'a pas besoin de dire. Mais fais-le, dis-le. Le petit suspect 95, là. On a vu ici, non? Ça est sur YouTube, je viens de voir aujourd'hui. Il a donné des dons dans les hôpitaux. Toi, pour toi, là, c'est toi qui fais et puis on ne voit pas. Nous, on veut voir ce que tu fais. C'est de ça qu'on parle. On veut voir, ce n'est pas orgueil, ça. C'est pour stimuler. Le petit, là, il y a un raisonnement vraiment d'une maturité, mais incomparable. Il dit... Ceux qui disent pourquoi je montre les dons que je fais, c'est pour dire aux autres que vous faites-le aussi. Voilà, il dit, moi j'ai vu Kelly Rowland faire ça aux États-Unis, c'est pour ça que ça m'a donné. C'est pour ça. C'est pour ça. Si toi maintenant on te fait don et puis tu dis pourquoi il t'a montré dans ton visage, va dans ta galère. Mais celui qui a faim là, il est content d'avoir son sac derrière. Si on voit son visage là, ça fait quoi? C'est son frère ivoirien ou son fils qui lui a donné. Donc arrêtez de nous emmerder avec cette... Ceux qui viendront après mon direct pour dire « Elle est aigrie, dire bah, machin, il n'y en a rien à foutre, je te bloque. Je te bloque, toi et ton Drogba, allez au diable. » Mais moi, la vérité, là, je vais la dire. Parce qu'il y a des gens, des millions d'Ivoiriens qui pensent comme moi. Moi, je ne suis pas là pour dire quelque chose et puis je vais me rétracter. Hein. Je ne connais pas ça. Je te dis. C'est de ça qu'il s'agit. On ne demande pas l'argent. On dit qu'il y a des Ivoiriens en prison. Tu as la possibilité. La guerre, là, elle a endeuillé plus l'ouest ton côté. Qu'est-ce que tu dis à Ouattara? Drogba Blé, il va rester en prison. Dans ça, là, on va rester. 2025, il va arriver. Ouattara va faire freaking pour mettre son fils. Qui dit c'est son neveu. C'est son frère. Il va le mettre là. Vous pensez que ce Bourreïma là, qui a, quand tu le regardes, même le criminel même, qui a tous les crimes, hein? Sur sa facette là, qui ressemble même à la mort. Vous pensez que quand il va être là, il va changer quoi? Il va rester là encore pour 10 ans. Donc ça veut dire, mettez-vous dans la tête, les Drogba Blé là, ce sont des condamnés à mort. S'ils ont la chance même et puis ils vont là, être une chose. Donc on vous parle de ça. Vous êtes là, vous parlez de hein, Drogba, il a fait. Moi c'est pour ça que je parle. Si on libère quoi je sais a été libéré. Regardez l'État. Regardez comment on nous l'a rendu. Regardez comment on nous a rendu quoi, Justin. Dans les jours à venir, là, peut-être j'irai en prison. Regardez comment on a rendu quoi, Justin. Est-ce que c'est normal, ça? On prend, ça veut dire en Afrique, là, quand la politique change de camp, les autres, là, doivent mourir. Nos adversaires doivent mourir. Ils n'ont pas le droit de vie. Pourquoi on est comme ça? La politique, c'est pas... Une extermination hein, de nos opposants. C'est toi, l'autre a perdu. Il s'en va, il se prépare. Et puis pour une éventuelle encore présentation, représentation. Pourquoi il doit perdre la vie? Regardez aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire depuis Houphouët-Boigny. Depuis le président Houphouët-Boigny. Il a quitté tous les régimes qui sont... Qui vous avez vu tuer comme ça qu'on voit travailler? C'est-à-dire le monsieur est là. Il doit exterminer ses adversaires. C'est ça qu'on appelle politique. Ça là aussi, d'autres vont dire, oui, Drogba, il ne veut pas mourir parce qu'il sait qu'ils sont dangereux. Et nous qui parlons là, nous, on aime la mort. C'est-à-dire, on s'amourache avec la mort, on adore la mort. Quoi. Donc, Drogba là, c'est lui seulement qui a peur de la mort. Hein? C'est lui qui... Vous pensez que nous aussi, on n'a pas peur de la mort? C'est gros cœur là qui nous fait manger du riz chaud. C'est pour ça qu'on sort pour dire la vérité. Parce que si nous tous on était là, mieux vaut mourir quand on sait ce que tu as dit et puis tu es mort, que de rester en... garder tout dans ton ventre et puis mourir, on ne sait pas de quoi tu es mort.
Moi, si je meurs là, vous saurez que c'est Ouattara qui m'a tué parce que j'ai dit ça. C'est ça qui est ça. Je ne peux pas garder des bêtises qui vont me rester dans le vent. Le jour où je vais mourir là, mon ventre là sera comme taille de guêpe parce qu'il est vide. J'ai sorti tout ce qui est dedans. Ouattara entendu. Voilà. Quand il vient à Paris là, il sait qu'il y a quelqu'un qui n'est rien, qui l'emmerde ici. Parce qu'ici là, c'est Paris, c'est mon territoire. Chacun son territoire. Moi, ma marque là, c'est pas la France. Il sait. Il sait. Parce que si mes parents souffrent là-bas, si les Ivoiriens sont opprimés, il ne va pas venir ici et puis aller à chose. Et Victor Hugo au café et puis s'asseoir. Dès que j'entends là qu'il est là, je rôde dans le café là. Je prends mon café, je m'assois. Avant là, il partait là. Pourquoi il a arrêté de partir là? Il connaît. Je savais, l'heure à laquelle il est là-bas là, j'ai tout pris. Et comme il sait que les gens savent que je vais pointer là-bas, il est au courant, il ne vient plus. C'est ça mon combat. Il faut qu'il quitte les lieux, le thé. C'est-à-dire qu'il n'est pas la paix. Votre juge Adou, là, qui condamne tout le monde, une fois il a fui, il a laissé son restaurant, son repas en salle de cuisine et puis il est parti parce qu'il a su que je venais. Il faut les terroriser. On ne peut pas les laisser maltraiter nos parents. Et puis on va être là. Moi, je suis là. Je fréquente Ouattara. Hein? Même en rêve, même. Je ne peux pas, même. Mais je le fréquente. Comme les Drogba, ils font là. On est à table. Je peux lui parler. Je peux appeler sa femme. Mais pourquoi je ne lui dirais pas la paix? Vraiment, fais tout pour trouver une solution. Libérez les gens qui sont en prison. Ils ont des enfants. Ils ont des femmes. Ils ont leurs parents. Dogo Blé, là, sa maman est morte. Il était en prison, il n'a pas vu même sa maman. Cadavre où elle est enterrée. Est-ce que c'est normal, ça? Aujourd'hui, là, s'il est en prison, c'est pourquoi? Vous avez vu Dogo Blé égorger quelqu'un? Seka égorger quelqu'un ou Boniface? Mais quelle palabre qui finit pas? Et les gens vont venir nous parler. On veut la paix, l'aide, là. Vous voulez la paix comment? Quelle paix vous voulez? Ce qu'il est en train de faire, là, j'ai dit, on va se toucher. Parce que si vous ne parlez pas à votre animal là, qui ne comprend rien, si vous ne lui dites pas, vous les nordistes, nos frères du Nord, si vous ne dites pas à ce monsieur là, de libérer les enfants des gens là, ça va mal se terminer. Cette paix, on ne va pas vous la donner. On est fatigué. On est fatigué. Quoi, Justin là, il est fils unique de sa maman. Regardez comment ils ont fait l'enfant. C'est le quoi, Justin, qu'on connaît, qui est là, là, ce que vous voyez là. Pourquoi vous prenez les gens en prison, vous les empoisonnez? On doit faire SOS pour les prisonniers. Vous les violez, vous les torturez, pourquoi? Mais vous créez un sentiment de haine. Ceux-là aussi, quand vous allez partir, ils vont vous faire ça. Donc on n'en finit pas, c'est une rengaine, c'est une spirale dans laquelle on est. L'autre, il part, il tue les autres. L'autre, il se venge. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les Raffarins, là, ils ne sont plus ministres, mais ils sont en France, ils se baladent. Ils ne sont pas inquiétés. C'est pas pour ça que Macron va envoyer ses amis pour les tuer ou les prendre, les mettre en prison. Si tu as fait quelque chose, on te met en prison, d'accord. Hein? On dit qu'il y a eu un problème. Les autres sont acquittés. Le président Gbagbo a été acquitté. Le ministre Charles Blé Goudé a été acquitté. Mais pourquoi Blé Goudé a chose? Il fait quoi là-bas pour pointer? Vous pouvez nous expliquer. Vous pouvez nous expliquer. Et c'est ces gens-là que Drogba côtoie. Et ça continue, ça perdure. Et puis les gens vont nous dire que le monsieur, il n'a rien à voir, il ne fait pas politique. Il ne faut pas faire, hein, sinon mère qu'on va sortir ici. Il ne faut pas énerver les gens. Il ne faut pas nous énerver. Moi, là, personne n'a payé mes études de politique. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je ne suis pas politique. Mais l'injustice, là, je n'aime pas ça. OK? Donc, ne venez pas nous dire ici que Drogba ne fait pas politique ou à Salfo. Il bouffe l'argent du sang que l'autre donne. Hein? Les business ensanglantés, là, le vol des richesses souterraines de la Côte d'Ivoire, ils sont dedans, non? Ça, là, ils prennent ça. Ça, ce n'est pas politique. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Didier Drogba va parler quand il faut parler. Il n'a qu'à dire à ses amis de libérer les enfants des gens. C'est bientôt Noël. Il n'a qu'à libérer les enfants des gens. Il y a des exilés là-bas qui sont là-bas. Donc cette paix-là, si vous voulez faire cette paix-là, tout le monde doit être en Côte d'Ivoire.
On va pas venir nous distraire ici que nous, on ne veut pas la guerre. Si vous ne voulez pas la guerre, vous savez ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait la guerre. Mais ceux qui ont les parents en prison, ceux qui ont les parents torturés dans les prisons, en exil, là, ils vont se venger. Donc, on ne veut pas la guerre. Là. On fait rentrer tout le monde, on fait asseoir tout le monde. Et puis, c'est comme ça, le Rwanda, ça s'est passé. Mais vous voulez que les enfants des gens restent en prison? Vous les torturez pendant ce temps? C'est-à-dire, tu es en train de tuer ma mère, mon père, et tu viens, viens, on va faire la paix. De qui se fout-on? De qui se fout-on? Il faut arrêter à un moment donné, hein? Il faut arrêter. Ouattara en train de dépasser les bornes. Si les politiques trouvent ça normal, que le monsieur torture les enfants des gens, il empoisonne les gens en prison. Mais vous parlez de quoi? Hein? Vous faites des projets d'élection pendant que, c'est-à-dire, vous, dans votre optique, là, il faut que vous soyez d'abord élu à des postes, hein, de députation, de mairie, pour que vous puissiez avoir la majorité. Mais vous pensez que ce monsieur-là, il est prêt à vous donner la majorité? Ouattara va vous donner la... On dit la politique, là, il s'est torché avec ça depuis. La démocratie, il a assassiné la démocratie, si vous n'êtes pas au courant. Donc, quel que soit même votre niveau de politique, de maturité en politique, le gars n'est pas prêt à discuter avec vous. Il veut rien faire. Il veut vous, c'est-à-dire vous museler. Il est obligé de vous torturer de la plus violente des manières pour que vous, personne ne se lève. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand tu demandes à un jeune aujourd'hui, moi, je ne veux pas aller en prison. Parce que si je vais en prison, on va m'empoisonner. Parce que c'est ça, la stratégie de Ouattara. Traumatiser un pour que les autres prennent conscience qu'on ne doit pas s'élever. Au Mali, vous pensez que les gens qui s'élèvent, ils ne sont pas traumatisés, ils ne sont pas torturés? À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Et ce monsieur-là, le beauté hors de la Côte d'Ivoire. Donc, prenons nos responsabilités. Sinon, les Ivoiriens, là, on va mourir tous, il va nous exterminer. Et faire venir sa population, son peuple du Burkina pour les installer. Pour repeupler la Côte d'Ivoire avec des halogènes. C'est ce qu'il est en train de faire. On parle de réconciliation pendant que les gens, vous qui mettez les têtes des morts, là, de toute façon, quand vous mettez, je vous ai dit, vos mamans même ressemblent au cadavre. Donc ça ne sert à rien d'aller ramener têtes des morts. Mettez photo de vos mamans et puis on va avancer. Vos mamans là, vous mettez leurs photos et puis moi, on va avancer. Je piétine leur gueule et puis on avance. Je ne fais rien avec ça. Tête de mort, là, c'est petit. Découpez vos parents pour les mettre là. Ramenez les squelettes des cimetières. Déposez-les dessus. Et puis, on va marcher dessus, on s'en va. Hein? De Nyanté à Amel Tosian, sois saluée, ma grande soeur chérie. Hein? On est là. Les gens, j'ai pas dormi de la nuit. Depuis 2 jours, ça ne va pas. Quand j'ai vu la photo de quoi, Justin? Ça, c'est normal, ça. Personne, aucun organisme en Côte d'Ivoire, aucune ONG. Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Rob Mann, M. Assou Adou. Et il ne peut même pas aller voir cela pour montrer les photos. Il n'y a aucun qui... Que ça n'effleure même pas, ça ne choque personne. C'est normal. On parle d'aller à la paix. On va faire les élections. Quelle élection vous allez faire dans ce bourbier-là? Qui va gagner ces élections-là? Il est en train de tuer les Ivoiriens. Il est en train de donner la nationalité à tout le monde. Qui va faire les élections-là? Avec qui vous allez faire ça? Avec les cadavres? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si Didier Drogba n'est pas capable de dire aux chiens de Saint-Doux de libérer les Ivoiriens, hein? De prôner la paix, de faire venir ceux qui sont en exil, qu'ils récupèrent leurs biens, s'il ne peut pas dire ça, et puis il veut nous demander, lui ce qui l'intéresse, c'est la FIFA. Il n'aura pas. Il ne l'aura pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que la FIFA, là, c'est pour les Ivoiriens. Et comme il ne fait rien pour nous, on ne va pas lui donner. On ne va pas lui donner. C'est de ça qu'on parle. Donc arrêtez de nous distraire, à nous dire, oui, c'est comme ça. Drogba, c'est lui qui fait ça. Il n'a rien fait. Les clubs, les petits clubs des villages, là, des villes, là, il a fait quoi? Quel don déjà il a fait? Les jeunes même jouent nu-pied. Côte Didier, c'est notre icône. Quelle icône? Icône de quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a créé comme un complexe sportif en Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas là-bas, mais dites-moi, au moins je saurai.
que Didier Drogba fait des choses pour la jeunesse ivoirienne. Carton noir, toi qui es à Korogo, il a créé quoi là-bas? Dis-moi, mon fils. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. Dites-moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le président Laurent Gbagbo était en prison ici. On a vu le geste de Samuel Eto'o. Si même qu'il n'est pas ivoirien, qui est ivoirien par mariage de sa femme. Regardez ce qu'il a fait. Mais toi, Drogba, Blé Goudé est libéré, il est là. Il est des mêmes coins, village que toi. Tu ne parles même pas de ça. Tu ne peux pas dire à Ouattara, donne le passeport, il va rentrer. Sa femme est là. Non, 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 non. Ça ne te regarde pas. Quand c'est ça là, ça ne te regarde pas. C'est les postes. Hein? Demain, tu vas venir nous demander présidence ici. On va faire comme ça pour te donner. On va faire comme ça. Moi là, le jour où Eto'o voudra être président là, je vais me déplacer au Cameroun pour aller parler pour lui. Je vais parler pour lui parce qu'il mérite. Et puis je vais dire aux Camerounais, même que je connais, et j'en connais plein, votez pour lui. Parce que prenez quelqu'un déjà qui n'était pas au pouvoir, qui pensait à vous. Au moins, il y aura moins de vols à la tête de votre État. C'est comme ça, c'est du donnant, donnant. Il n'y a pas à faire de dire, tu es chef, tu as ramené coupe, on s'en fout. Coupe là, tu as ramené, c'est pour toi-même. Tu n'as même pas ramené coupe déjà en Côte d'Ivoire pour qu'on parle de ça. Donc, quand il y a la vérité là, nous, on dit la vérité. Voilà, n'en déplaise. Moi, je ne peux pas voir la vérité et puis dire, parce que Didier Drogba, il est ivoirien. Même tu es mon père, tu zaïs, je te dis. J'ai dit mon père à Zaïe. Moi, je suis comme ça. Déjà petite, j'étais comme ça. Personne ne va me changer. Je suis trop... Ça me dit là. Ceux qui étaient sur ma table à la soirée de mon fils, Cyril qui vit. Dapia de Wazi. Elle nous a chargés ici dans les trucs. Elle est Nadi Gang. Elle nous insulte ici. Ici, sur la toile. J'étais assise. Il y a une qui est venue pendant qu'elle rentrait. Il y a une qui est venue, hein, Naomi, c'est Naomi, hein, tenez le pain, c'est pour Dacia, vous allez soulever. J'ai dit, madame, ici là, c'est Simone Gbagbo. Il y a une qui était à côté, dit, non, Naomi, s'il te plaît. J'ai dit, hé, hey, je ne suis pas dans vos trucs comme ça. Hein. C'est Simone Gbagbo ici. Elle est Nadie, elle insulte Simone Gbagbo. Je ne prends pas son pain. Si tu, ils ont dit, non, pour équilibrer. J'ai dit, je prends pain là, je jette, je piétine. Moi, je ne suis pas là pour ça. Les femmes qui étaient là me regardaient comme... J'ai dit non. Pourquoi vous voulez me faire... Je vais être fausse. Je ne suis pas Wazia de Dapia ou je ne sais pas quoi. Je vais prendre son pain pour faire comme ça. Pourquoi? Pour me coller une étiquette. Je ne fais rien avec elle. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne prends pas son pain. Moi, c'est Anne Drogba. Je soutiens. Et ils disent que non. Ici, là, c'est Wazia. Je n'ai rien à foutre. Ah, ouais, non. Nous, on n'est pas dans... Hein? Faire plaisir à quelqu'un, je suis Wassia de Dapia. Je la connais où? Tu t'assois là-bas, tu m'insultes. Tu insultes Simone Gbagbo. Tu soutiens Nadi Bamba. Moi, je vais prendre ton pain pour faire comme ça. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Je ne suis pas force. Je suis moi. Je suis Naomi VTD. Voilà. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis moi. Je ne suis pas dans les comme ça. Parce que je vais faire plaisir ou passer la moins des gens qui la suivent. Et puis, le duel là, ma candidate, ma fan et ma star a gagné. Voilà, pour moi, elle a gagné. Anne Drogba, c'est quoi ça, mon fils? C'est lui qui dit, je suis désolé pour toi. Mais moi, c'est pour moi, là, Anne Drogba, elle a guinzin le coin. Voilà, c'est de ça qu'on parle. À chacun son candidat, ou bien. Donc moi, je suis pas là, Drogba va faire des trucs et puis je vais venir là. Hein. Drogba, dédédé, hé! Hey, il n'a rien fait pour les Ivoiriens. Moi, je ne parle pas de moi. Pour le peuple. On ne demande pas l'argent, on demande de parler. Voilà. Georges Weah, là, il a parlé. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait pour son peuple. C'est comme ça. Maintenant, tu me donnes, je te donne. Aïe! Bon, ou bien, tu me donnes, je te donne. Tu es gentil, je suis gentil. Tu n'es pas gentil à Nyana Babi. D'après le gars. La grande à mettre aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu fais rien avec moi, je fais rien avec toi. Tu peux être star. 20 planétaires, j'en ai rien à foutre. Même tu es Michael Jackson, je ne fais rien avec ça. C'est biscuit. Donc c'est de ça qu'on parle. Votre Drogba là, c'est ça.
Ce que je lui reproche, il n'est pas, on ne veut pas son argent. On dit de plaider pour les prisonniers. Les gens qui sont en train, son frère Blé Goudé qui est là, qui a quitté, on dit il n'y a rien. Noël est fini. Ses enfants-là, ils vont passer Noël encore sans lui. Est-ce que c'est normal? C'est de ça qu'on parle. On demande, c'est simple, on ne veut pas d'argent. On ne veut pas son argent, on dit il parle pour qu'il y ait la paix. Parce que si ce qui arrive là, s'il ne parle pas, ça sera mauvais. Les gens ne peuvent pas laisser leurs parents mourir en prison. Pourquoi aider? Pourquoi? On ne peut pas les regarder, nos parents sont en train de voir travail. Mais j'espère pour lui que quoi, Justin, il n'aura rien. J'espère pour lui. Parce qu'on est fatigué de regarder les Ivoiriens être tués comme des cacahuètes, comme si on mangeait des cacahuètes. On est fatigué, hein? On est fatigué de voir comme ça qu'il envoie son empoisonneur de fils adultériens là. Tener Brahima assassiner les Ivoiriens comme ça. Empoisonner nos parents en prison. On est fatigué. Parce que si les Ivoiriens ne s'élèvent pas pour prendre leur responsabilité, il n'est pas prêt, hein? Pour lui, là, les Dogo Blés là représentent un danger. Pourtant, ils sont acquittés. Vous pensez qu'on va regarder ça comme ça? On va regarder des gens vieillis en prison, 10 années pris sur la vie de quelqu'un, qui vont à la 15e année. Est-ce que c'est normal? Il a tué qui? Ils ont fait quoi? Qui ils ont tué? Si on dit quelqu'un aujourd'hui a tué, c'est lui, bien lui, Dramane Ouattara, qui a tué les Ivoiriens. Alors, il ne va pas nous refaire l'histoire, hein? Basculer sa condamnation sur les autres. Quand il se lève pour dire que les prisonniers, là, ils vont pas, ils ont commis des crimes, c'est des foutaises. Parce que Ouattara n'a pas vu encore garçon devant lui. Ouattara, là, il n'a pas vu garçon devant lui. C'est pour ça qu'il prend nos mains pour s'essuyer le derrière. Et on ne dit rien, on trouve ça normal. Donc, si vous ne dites rien là, si Drogba fait des choses, si vous voulez murmurer, murmurez. C'est vous, quand vous allez mourir, vos ventes, on ne pourra pas fermer vos cercueils. Tellement il s'est rempli de haine. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai quelque chose à dire à Drogba, je le dis et j'avance. À chaque fois que ça va me pomper l'air, son comportement, je vais dire. Parce que Blé Goudé là, c'est son frère. C'est son grand frère. Ils sont de la même région, même village. Blé Goudé ne peut pas rester ici. On dit qu'il est acquitté. Et puis, comment dirais-je, Drogba va se taire. Hein? Drogba va se taire. Il va trouver ça normal. Blé Goudé va pointer deux fois en prison. Pendant qu'on dit qu'il est acquitté. Vous trouvez ça normal? Lui, il approche facilement les tueurs. Ils étaient avec eux. On voit leurs photos ici, des selfies, avec Dominique Ouattara et tout. Quand tu es proche d'une femme, là, Dominique Ouattara, c'est elle qui tient l'animal, là. Il ne peut pas parler à Dominique Ouattara puisqu'elle aime bien, lui, Drogba. Il ne peut pas lui dire, « Maman, vraiment, fais ça, dis à soi-disant mon père. » De libérer les gens, pourquoi on voit que la Côte d'Ivoire retrouve... Hein? Même les Américains ont reconnu que Ouattara est un tueur qui n'est pas démocrate. Donc, qu'est-ce que Drogba ne sait pas? Si on invite tout le monde, les autres pays là, dans des cérémonies mondaines, et puis on dit, lui là, il ne vient pas. Drogba ne voit pas ça. Récemment, les Américains ne l'ont pas invité. Je crois qu'ils ont invité le président Bédié. Pourtant, c'est lui qui dit les présidents. On te saute et puis on va inviter un ancien président. Ce n'est pas un problème ça. Ça là, Drogba n'a pas vu. Hein. Ça a fait le tour de la toile. Même les morts ont vu ça de leur tombe. Drogba n'a pas vu ça. Et on va le laisser. Oh oui, c'est son argent. C'est son argent. On sait que c'est son argent. Mais on dit, on ne veut pas l'argent. Il n'a qu'à parler à son papa, hein? Monsieur Gueule Froissé, de libérer les enfants des gens. C'est tout ce qu'on demande. De libérer, de laisser rentrer mon petit frère, le ministre Charles Blé Goudé. De laisser rentrer les exilés politiques. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas de nous donner l'argent. On ne demande pas qu'il paye le billet de Charles Blé Goudé pour rentrer au pays, non.
On dit, il n'a qu'à parler pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour que la paix... Parce que les mêmes là, demain quand ça va commencer à brûler, ils vont dire, voilà, il y a la guerre, c'est comme ça. C'est les mêmes. Voilà, la paix là, ça s'entretient, ça se cultive. Donc, Drogba là, dites à votre Drogba, il n'a qu'à parler. C'est ça ma colère. Il n'a qu'à parler à son monsieur là, son papa. De libérer les gens. Et puis, on va vaquer à nos occupations. Nous, là, ça fait plus de 10 ans qu'on est en exil. Forcé. Parce qu'on sait que si on va là-bas, là, on va nous faire... Ouattara va nous assassiner. Donc, on est ici. Donc, la paix, là, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Il n'y a pas des Ivoiriens. Parce que ceux qui ne sont même pas Ivoiriens, là, aujourd'hui, c'est eux qui sont... Ils vaquent à leurs occupations. Ils ont une vie de pacha chez nous. Donc, s'ils veulent la paix, là, ça, là, ils doivent arranger ça. Ceux qui sont en exil doivent rentrer, récupérer leurs biens. C'est ça qu'on dit, on va à la paix. Le président Laurent Gbagbo, même qui est rentré là, il a bras. Il a enfermé, il a verrouillé. Comment il veut la paix comme ça? Comment vous voulez que, quand le président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il fait un discours, il y a la menace derrière. Il y a les chatons, les comment dirais-je? Les chiots qui sortent pour venir aboyer, pour venir menacer. Ça là, vous pensez que c'est ça là qu'on va faire pour aller à la paix. Hein? Fais-le vite ta vie, ma petite soeur chérie. Hé, hey, tu m'as gâté. Hein? J'ai bien mangé, elle m'a gâté. Dites-lui merci. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs pour dire merci à ma petite soeur. Fais-le vite ta vie. Vous êtes radin dans les cœurs ou bien, c'est quoi même? Elle m'a acheté à manger boisson. Juste ça, j'étais fatigué même à la soirée. Envoyez des cœurs, j'ai dit, des vrais cœurs. C'est ça qui est la vérité. Des vrais cœurs, merci, merci. Merci de votre gentillesse. Donc, ça là, nous on va dire, c'est pour ça, aujourd'hui là, c'est mon coup de gueule. Donc ça là, c'est la partie de Didier Drogba. Il faut qu'il parle pour les Ivoiriens. Parce que lui, sa voix porte. Naomi qui s'assoit là-bas, ici là, pour crier là, ça va nulle part. Lui, là, sa voix porte. Et il a un carnet d'adresses. Les gens qui peuvent faire un test. Lui, il a vu Macron ici. On a tous vu ici Drogba serrer la main à Macron. Donc ça, là, il peut pas, il pouvait même sans parler, s'il a peur de parler à Ouattara, parler même à Macron. Moi, quand j'ai vu Drogba ici, là, j'ai dit, ah, les prisonniers vont sortir. Il va parler au président Macron pour qu'il parle à leur mouton, là, qui se dit président. Mais il est parti, Didier Drogba, quand il est parti même là. Après, quand il a vu Macron, c'était pire la situation même de nos parents. On dirait lui-même, il a dit à Macron, dit aux chiens là de les tabasser encore. Donc, il faut que les gens arrêtent de vouloir. C'est vous qui faites que les gens ne changent pas. Drogba là, si c'était nous, il y a longtemps, il a changé. Mais c'est vous soutenez le faux. Vous êtes dans du faux. Vous soutenez le faux. Non. Ce n'est pas parce qu'il est une conne, il fait une bêtise. C'est par vos comportements. Quand vous boudez là, il va comprendre et il va changer. Regardez ça. Quand ses amis même boudent là, ils condamnent, vous insultez. Celui qui parle des Drogba, il dit c'est pas bon. C'est que vous sortez, vous les insultez. Venez nous insulter. Nous, on est brisés, vous nous insultons, vous insultez. Propre. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Vous nous insultez là, nous autres, on vous insulte aussi. Là, c'est d'après le word des bouillons. Je n'ai pas furonc dans ma bouche. Tu m'insultes, je t'insulte. Et 10 000 fois même plus que ce que tu fais. Ça, ce n'est pas de bonne manière. Donner conseil. Laisser les gens qui critiquent, critiquer. C'est du bien qui feront. Ça fera changer la personne que vous aimez, que vous prétendez aimer. Parce que quelqu'un fait quelque chose de pas bien, il rend Dieu et soit salué, ma grande. Vous voyez, vous dites, oh, c'est... C'est une star, on ne peut pas parler. Mais vous le conduisez en enfer. Vous avez déjà vu deux corbillards se suivre. Un avec le mort et puis l'autre avec valise. Le bien du monsieur, son argent. Vous avez vu quelqu'un qui est enterré dans le lit d'argent. Donc l'argent, là, on a trouvé sur terre, on va partir pour laisser. Quand tu en as là, quand tu vois quelqu'un, même il est malade, rien que... Même 100 euros, tu lui donnes et puis il achète médicaments là. Même s'il doit mourir, qu'il meurt, au moins devant Dieu, tu as fait quelque chose. Tu ne peux pas être plein aux actes, tu t'assois et puis tu vois autour de toi, les gens sont malades. Et puis tu trouves ça normal.
Toi, tu t'en fous. Et puis, tu veux que quand tu arrives, on applaudit. Les cadavres vont applaudir. Attends, il faut arrêter. Critiquons sans, quand c'est critiquable, pour que les gens changent. Voilà. Donc, je réitère encore, l'argent de Drogba, là, je m'en tape. Mais je dis, les gens sont en prison. Blé Goudé, qui est son frère de village, il est libéré, il est acquitté. Il est ici, Ouattara ne veut pas donner passeport. Un simple papier, un droit fondamental pour tout être humain. Même chien là, chien, ici en Occident, le chien, wow, wow, il a papier, il a pièce d'identité. Il y a nom de sa maman dessus, il y a nom de son papa. S'il a des frères qui sont sortis avant lui, tout est marqué. Chien a identité, animal, ça a identité, ici en Occident. C'est mon petit frère qui est être humain et vrai garçon. C'est lui qui n'a pas papier. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça. Chien, il y a chien japonais, chien allemand, croisé, tout ça. Là, on dit même descendance du chien. Être humain qui n'a pas papier. Ouattara refuse. Il n'y voit rien. Vrai fils de Côte d'Ivoire qui n'a aucune origine, qui dépasse les frontières. Pendant qu'il y a des gens, des cadavres ambulants comme Blaise Compaoré, il leur octroie la nationalité ivoirienne, sans même rien, sur un plateau d'or. Hein? Et mon petit frère n'a pas. Vous voulez qu'on regarde ça et puis on dit c'est normal. On dit rien. Parce que c'est comme ça. Drogba peut parler, il peut plaider. C'est pour ça que Dieu lui a fait grâce. Voilà, Dieu lui a donné tout ce qu'il a là. Hein? La puissance qu'il a là. Dieu a donné ça pour qu'il utilise ça. Pour que ses parents, la Côte d'Ivoire en profite. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas ton argent. Dis au monsieur de libérer, tu les fréquentes. Des gens non fréquentables. Toi-même, tu avais dit Gbagbo n'était pas fréquentable aussi, non? Qu'il est bien là où il est. Mais celui que tu as là, tu ne vois pas qui il tue. Hein, quand c'est Gbagbo là, vous sautez, sautez. C'est le président Gbagbo Laurent que vous pouvez parler sur lui. Lui là qui est assis là, dont l'œil. Va à gauche, né à droite, et puis l'autre fait à la Koubarou. Les lèvres font à la Koubarou. Lui, tu le vois, il tue, non? Mais tu es avec eux. Ils sont fréquentables parce qu'ils font ton affaire. Nous, on va être là pour te dire, mon petit. Ça, là, on va te dire, hein. Ça va être chaud, mais on va te dire. Si ce partager se dirait, ça va taguer le. Et partager aux parents de Didier Drogba, ça va arriver à lui. À sa maman même taguée là-bas, ça va arriver. Au moins, elle va comprendre, voir et puis elle va lui parler. C'est ça qui est la vérité. Donc, libérer notre petit frère, Kouai Justin. Kouai Justin est libéré, mais sa santé va très mal. Et vous là, Awa Ewura aussi est malade. Vous, les sportifs de haut niveau là, nous, là, on a donné quelque chose. Même si c'est un petit billet de 5 euros, c'est en fonction de nos capacités, de nos possibilités. Vous, là, donnez quelque chose au petit Gbalou Nagbalou. Ah ouais, Ewura, elle-même, elle est Abidjan. Appelez-la, donnez. C'est pas qu'elle va mourir que vous allez faire. Oui, elle était bien, c'est une journaliste. C'est pas normal. Chacun doit donner. Nous, les pauvres, on a donné notre part. Donnez pour vous. Vous savez, tout est sur Facebook. Où la joindre? Appelez-la, laissons pas cette grande dame-là mourir. Quoi, Justin, là? Il est malade aussi. Rentrez en contact avec lui. Les Yaya Touré, vous tous, là. Rentrez en contact. Comment il s'appelle? Eric Bailly, tous. Gervino, Max Gradel. Faites quelque chose pour ces personnes malades. Quoi, Justin, Yaya Touré? Comment dirais-je? Et Awa Ewura, faites quelque chose. Nous, on vous demande pardon. Moi, là, ce que vous avez, si j'avais le tien même, là, ça, là, c'est fini déjà. On n'allait même pas s'asseoir ici et puis nos gros nez vont prendre l'écran pour transpirer devant vous. On allait payer ça. Déjà, je n'ai rien. Quand je vois mon semblable souffrir, même, j'ai mal. Autant Bao, soit salué, ma soeur. Donc, Anna Walker, soit salué, ma soeur. Donc, faites quelque chose. Laissons pas ces gens-là comme ça. Hein? Malades, ce n'est pas normal. Donnez quelque chose. Mon fils Eric Baïs, taguez-les, les footballeurs. Là. Gradel, Max Gradel, mes enfants. Faites quelque chose pour quoi, Justin? Et Awa Ewura, je vous demande pardon.
Leur état de santé, là, ça fait mal. Je vous demande pardon. Dieu vous a fait grâce. Aidez ces personnes-là. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne laissons pas ces personnes-là mourir dans la maladie. Ça fait mal. Nous, on n'a rien. Mais on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Malgré nos difficultés. Qu'est-ce que c'est, comment dirais-je, 2000 euros ou 3000 euros par personne pour vous, ce que vous avez, tous les mois. Qu'est-ce que c'est ça pour une vie, sauver une vie de quelqu'un? Je vous demande pardon. Drogba, voilà les cas que moi, Naomi, je viens vous présenter. Il y a quoi, Justin, il est dans un état, ça ne va pas. Ah ouais, Oura, pareil. Aidez-les. Je vous demande pardon. Sur ce, je pense que ce message vous arrivera jusqu'aux oreilles. Partagez au maximum. Donc, ça c'est mon coup de gueule concernant mes parents qui sont malades et la souffrance de mes frères qui sont en prison. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Je vais parler un peu, c'est un autre sujet, de Sylvia T. Sylvia T, celle qui est sur Facebook, là. Et femme, celle qui ressemble à un crocodile, là. Pourquoi je viens parler d'elle? Je ne voulais même pas parler d'elle. Mais il faut que je parle pour qu'elle comprenne qu'elle commence à dépasser les limites. Parce qu'il y a une de ses vidéos où elle va rentrer dans l'intimité de Brigitte Bleu, la maman d'Apoutchou, notre fils Apoutchou, là. Elle va même jusqu'à insulter la dame. Dit que la dame, elle si bien t'es un mainstring, que la dame, nous à nos âges là, parce que Brigitte Bleu là, elle a de ma génération. Celles qui veulent mettre string à nos âges là, c'est leur problème. Mais nous, on n'est pas là pour mettre string. Voilà une petite fille qui est mal élevée, c'est-à-dire, elle pense que les réseaux sociaux là, c'est quand, pour réussir, faut insulter, faut rabaisser les autres. Toi, tu parles de Brigitte Bleu, qui est une icône respectée en Côte d'Ivoire. Mais ta maman, là, elle-même, Sylvia T, sa maman, là, on m'a envoyé sa photo. De la manière dont elle est vilaine, et puis ses dents sont remplies comme un conteneur qu'on a chargé de marchandises, là. Sa bouche est remplie de matériel comme ça, là. Sa maman aussi est comme ça. Mâchoire même a vieilli avant son âge. Elle, Sylvia T, là, regardez ses mandibules, là. Ça a vieilli même avant son âge. Mais elle insulte une grande dame comme ça. Et les gens, on va la laisser faire. Elle est tellement impolie, cette petite-là. Toi, tu vas à Dubaï. Ton Dubaï, que tu vas là même, quand on te regarde même, tu fais pitié. Tu fais pitié. Si ce n'est pas Blanc Clochard que toi tu as ramassé quelque part là, dans un hospice des personnes attardées mentaux, des personnes attardées mentales là. Quand on te regarde là même là, tu fais bander une mouche. Même une mouche ne peut pas bander quand elle te voit. Tu n'as plus fait raison, être humain normal. Toi tu viens insulter les gens, juste à insulter une grande dame comme ça. Pourtant ta maman même là, même le manioc qu'elle plante au village, ça ne produit pas. Tellement elle est vilaine, manioc même, fait la grève, ne veut pas venir chez elle. Son champ de manioc, là, il n'y a rien qui sort dedans. Manioc que tout le monde plante et puis ça produit deux fois par an, là. Champ de manioc, même manioc ne veut pas venir chez ta maman. Ne veut pas pousser dans le champ de ta maman. C'est toi qui viens, tellement ta maman est moche, comme toi. De toute façon, elle a, son matériel, elle est là. Ce qu'elle a, qu'elle appelle chose, là, dans lequel elle a... ces chargements des fers qu'elle appelle dents là. Sa maman est comme ça. Aussi laide. Parce que c'est laid, monstre qui fait ça là. Être humain ne peut pas faire ça. Nous autres là, on n'est pas belles, mais nos enfants sont des princesses. Elles sont. Tu regardes même ces mannequins, c'est comme ça, regardable. Mais toi, Sylvia, tu as oublié ta maman. Oh, vraiment, des gens qui font rire. Toi, tu es ainsi Brigitte Bleu. Regarde là cette femme comme elle est belle. Femme qui dépasse elle, c'est que tu es maudite. Qui est plus belle que Brigitte Bleu. Elle est belle. Toi, tu vas. Elle est dans ton affaire des strings. Toi, tu portes string, tu n'as même pas gare. Tu es parti dans un truc de cotorep où les handicapés mentaux, on les met là.
C'est là-bas tu vas draguer Marie pour dire que tu as marié. C'est ça là. Pourquoi tu ne montres pas le monsieur? Montre-le, on va le voir. Je crois que Facebook, ce jour-là, les écrans vont se casser. C'est ça, tu as marié, j'ai marié, je suis à Dubaï. Oh, vraiment, les gens aussi, quand je regarde et puis les gens sont connectés sur ces directs, les gens me disent, mais il y a des malades suite. Vous allez faire, c'est elle-même qui dit, elle vend médicaments. Oh, oh, elle dit, elle vend médicaments pour garder quelqu'un. Toi, tu gardes quelqu'un et puis tu es parti dans un truc de handicapé pour prendre un mongol. Donc toi-même, tu fais médicaments pour garder mongol. Ce n'est pas un problème, ça. Oh, oh, vraiment. Zélema Richard Aka, elle fait basse pour garder mongol. C'est que toi-même, ton cas là, on ne peut rien faire avec. Tu fais maraboutage pour garder mongol. Adama, on peut être comme ça. On peut être vilaine à ce point. Tu fais marabout, maraboutage. Nasigi sur mongol. Oh, oh. Oh, vraiment. Sa maman est comme elle, vilaine aussi comme elle. Mais alors, maman, tu as mongol que toi tu as pris, tu as attaché dans maraboutage et puis tu prends son argent de cotorop pour aller à Dubaï pendant que tu l'enfermes dans la maison. Tu veux qu'on parle de ça? Tes dossiers sont arrivés, ma petite. Ton impolitesse là, si tu n'arrêtes pas là. Moi, j'ai dit, toi seulement, je vais m'occuper de toi. Après, ta maman, là, je vais mettre sa photo bientôt. Et puis, ils vont voir. Ils vont voir, bah, que ta maman, elle mange manioc, avec les bas dedans, là. Hein? Hein? Sa barque naufragée, là, de ta maman que tu appelles bouche, là. Je vais mettre sur les réseaux, les gens vont voir. Je crois que tu vas te taire. Tu vas te taire. Parce qu'on est comme toi, là. Hein? Enfants qui ne devaient pas naître et puis les sages-femmes ont oublié, ils ont laissé sur terre là. Tu dois te cacher. Ou bien tu fais tes choses. Toi, tu vends. Non, mais vraiment. Oh. Et puis, il y a une. Non, ma fille Emmanuel Keita, toi, tu souffres. Il y a une autre, là, on dit quoi? MK, succès, secret. Elle a dit, elle va. Elle vend produit de beauté. Si vous voyez le visage là, on dirait les femmes du Nord qui vendent beurre de karité et puis elles n'ont pas de clients. Donc tout le temps, pour ne pas perdre leur beurre, elles se mettent. Ah, attendez, j'ai ouvert la porte. Oh, vraiment, Facebook. Hein? Visage là, est plein de beurre de karité. On dirait les vieilles femmes du là au Nord. Ah, non, attends. Ah non, maman, c'est pas possible. On n'a pas envie de parler. Elle dit MK secrète. Vous savez, quand tu as marchandise que tu n'arrives pas à vendre là, beurre de karité. Et puis, pour ne pas que ça s'abîme, tu mets sur son visage tout. Elle dit, elle vend produit. Qui va payer ton. MK secret, vraiment. J'ai dit, moi je suis prête pour vous. Oh, vraiment. Il y a d'autres, un jour vient et puis j'ai dit non. Je vous attends seulement. Il y a l'autre là, sa langue, on dirait tapette des pauvres. Oh non, vraiment. Les enfants là, ils nous fatiguent. Vous êtes blogueur. Wakara tue les gens là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler de ça. Hein? Moi, je suis influenceur. Maudia de vos parents. Vous êtes influenceur. Ouattara, il y a des problèmes qui sont au pays. Moi, je serais fier de vous si vous parlez des problèmes cruciaux. Vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est venir vous dénigrer les mamans. Vous avez quitté maintenant. C'est enfant, vos enfants vous insultent. Ou les mamans. Nous, on va être là pour vous. Moi, seulement, je suis prête pour vous. Je suis là pour vous répondre. Arrêtez vos bêtises. Il y a des vrais problèmes. Quand on dit on influence là, les Beyoncé là, les, comment on appelle, Kim Kardashian, quand quelqu'un veut voter, veut, a des ambitions politiques aux États-Unis, il les approche.
C'est-à-dire que quand elles parlent, on te suit. Hein? Leurs followers vont là-bas. Mais vous influencez, on tue dans votre pays. Les gens sont en prison, ils sont en train de mourir, on viole les enfants. Vous ne parlez pas de ça. Hein? C'est pour venir dire, oh, l'autre, hein, son enfant n'a pas de pyjama. L'autre, hein, son enfant n'a pas bu lait. L'autre, vous pensez que c'est ça qui nous intéresse pas. Nous, on dit, Ouattara tue. Si vous influencez vraiment, parlez pour qu'il change. C'est ça, de ça on parle. Moi, aujourd'hui, là, je parle, je soutiens Emmanuel Keïta. Pourquoi? Quand sa chauffeur a dit « boy, move », ça nous suffit. Au moins, elle a parlé. C'est pour ça, vous tous, vous êtes venus en tas sur elle. Parce qu'elle est derrière. Vous venez en tas, mais vous allez croiser. Elle a gaillé sur des gars. C'est ça qui est ça. La KLMP de Simon Gbagbo, vous allez me croiser. C'est ça qui est ça. Les petits impolis, là. Toi, tu as t'asseoir, que tu as ton gros ventre que tu es parti mettre à Dubaï, comme pour moi ici, là. Tu as vu ça? Tu es vilaine, tu n'as rien même qui peut plaire à un homme. Même un bagnard, quand il vient là, il te voit même là, à tes oulières. Tu as venu. Bouche comme ça. Ça, là, on peut embrasser ça. Oh, oh, qui a envie d'avaler les marteaux et tout ça? Ah, Sylvia, ma fille, je ne veux pas t'insulter maintenant. Mais tu me fatigues. Je dis, je suis. Les injures que. Tu vas me bouillir à cro-cro-cro. Tu vas avaler les fers, tu vas te retourner. Ah, le conseiller, comme mon fils va aller embrasser là-bas, Sylvia, il va avaler le matériel. Oh, vraiment. Où allez-vous à Colère? Ah, elle est partie prendre dans le centre d'handicapés où elle est partie travailler. Elle a bras un handicapé, là, elle a marié, ça, elle prend Cotorep. Elle vient nous embrouiller qu'elle est à Dubaï. Toi, tu gardes Marie, tu gardes handicapé. C'est pas Marie, ça. Va prendre les vrais blancs. Pourquoi tu ne pourrais pas prendre. Comment ils s'appellent là? Le fils de. Comment il s'appelle? David Hallyday. Pourquoi tu ne vas pas prendre David Hallyday? Tu es vraie branche là. Va prendre David Hallyday. Anthony Delon, on sait que tu as pris. Paul Belmondo, là, voilà. Les enfants de ces gens-là. Va prendre ça, on sait que tu attrapes gars ou tes trucs. Si tu étais avec Paul Belmondo, qu'on dit tu vends. Ou bien Anthony Delon, tu vends médicaments. Hein? On peut dire oui. Ces médicaments prennent. Moi, quand j'avais ton âge, là, c'est des gens comme ça que je fréquentais. Voilà. Quand j'avais ton âge, là, les Victor Lanou, là, quand ils me voyaient comme ça, j'étais en stage à Bondy, là, hôpital Jean Verdier. Oh, j'ai dit, il n'y a aucun garçon, quand ils voient, ils tremblent. C'est maintenant on est délabré. Là, tu vas venir ici embrouiller les gens. Et j'ai un blanc ici à Dubaï. Ton ventre, on dit guéli. On dirait tam-tam de Denis. Non, 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 non. Oh, Sylvia, je dis, il faut arrêter. Il faut laisser Bleu Brigitte tranquille. La dame est malade. On peut être sorcière comme ça. Tu t'acharnes sur la maman de quelqu'un. Elle est malade. Quand tu es en guerre avec quelqu'un, quand il tombe là, tu baisses les armes. Mais toi, tu continues. Quand on te regarde même là, tu reflètes la sorcellerie toi-même. Tu es morbide. Tu es trop vilaine. Ta maman même est vilaine. C'est pour ça qu'elle a fait quelque chose comme ça, comme toi. Parce que quelqu'un qui est... Hein, comme nous, on ne peut pas faire ça, là. Moi, ça, là, ça a été bon. Ça ne sort pas de... Ça, là, je croise les cuisses. Moi, ça, là... Oh non, faut arrêter de nous emmerder. Eh, je suis ouais. Toi, tu es ouais, toi? Sorcière. Ta maman et toi, là, je sais que vos origines sont du Burkina. Parce que le ouais, il n'est pas méchant comme ça. Tu es sorcière. Ta maman, là, quand on regarde, où elle est? Parce que chez nous, là-bas, là, les vieilles poclées qui voient leur manœuvre, là. Je crois que ta maman, elle t'a eu à un manœuvre. Arrête de nous emmerder. Reste, laisse les autres, les gens. Laisse Brigitte Bleu, laisse Emmanuel Keïta tranquille. Fais ta vie. Tu peux vendre tes trucs sans chercher à nuire à tes amis. Est-ce que tu es obligé de nuire pour gagner ta vie? Vends tes trucs.
Quand on te regarde, mais on sait. Oh, comme je garde garçon. Elle n'a qu'à vous montrer photo de son mari. Pourquoi elle ne l'a jamais montré? Quand tu as un homme là, tu es fier, tu le montres. Tu caches le monsieur parce qu'il bavouille. Il bave de partout. Toi, tu es là, tu as un mari blanc. On connaît ça, hein? On connaît ça. D'autres, même, tu regardes quand il avance, même, tu ne sais pas s'il recule. Mais il dit c'est mari. Ça, là, c'est mari, ça. Il faut arrêter tes conneries, ok? Arrête tes conneries. Laisse les gens tranquilles. Brigitte Bleu, là, ce n'est pas ta copine. Tu ne peux même pas parler de ses sous-vêtements. Ce n'est pas ta copine. Elle, au moins, elle a sous-vêtements. Elle a gros slip, comme tu dis. Mais toi, ta maman, elle n'en a pas. C'est ça, la différence. Emmanuel Keïta, elle a fait venir sa maman, là. Fais venir ta maman, on va voir. Vraiment. Même Mongol a pris drap, il est parti. Mongol t'a laissé en France, ici. Il t'a divorcé. Tu veux parler. Tes mandibules, on dirait, une bouche de 90 ans, Dieu a mis sur une petite fille. Tu vas venir aboyer sur les réseaux. Et puis, il y a des imbéciles qui vont là-bas s'abonner pour regarder. Vous regardez ça, là, elle peut vous donner quel conseil. Quand tu regardes à mon chic, là, elle est chic à regarder. Sonia, Lady Sonia, chic à regarder. Il y a des choses, des personnes, quand tu regardes, tu as envie. Au moins, elle te donne conseil, tu sais que... Mais toi-même, là, on te regarde. Hein? Tu es parti faire médicaments sur Mongol pour le marier. Tu ne trouves pas que toi, ton cas est désespéré? Même désespéré. Désespéré, même étonné. Oh, vraiment. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. On peut être comme ça? Laissez-nous dans nos... Si vous ne pouvez pas parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, hein? Influencez Ouattara pour qu'il libère vos parents qui sont en prison, vos tontons, vos frères en prison. Laissez-nous tranquilles. Voilà, laissez Brigitte Bleu là. C'est notre star. C'est notre... C'est une icône. C'est pas... C'est, non, la France, hein. Toi, aujourd'hui, toi, Sylvia, toi, tu peux... Si c'est pas la France, tu peux parler devant Brigitte Bleu en Côte d'Ivoire. Hein? Tu peux parler devant Brigitte Bleu. Tu peux ouvrir ton truc, là. Ta caisse naufragée, là. Qui a été découverte du temps de Christophe Colomb, qu'on a trouvé sous la mer, que tu dis, c'est la bouche là. Tu peux parler dans ça. C'est la France. Pourquoi tu n'as pas pris avion pour venir à Paris? Tu as nagé. Si tu étais trop belle, tu es passé au Maroc et tu as pris pirogue. Quand on est belle, on prend l'avion. Un billet visa, comme ça, puis on monte. Tu crois les gens qui viennent là, ils vont prendre bateau pour venir? Tu vois les MA l'Ouest là, ils prennent bateau pour venir? Ou bien ils nagent à contre-courant pour venir en France? Toi, tu as nagé. Tu as embrassé des requins pour arriver ici. C'est toi qui vas parler aussi sur Brigitte Bleu. Elle a ça. Tu crois qu'elle est ta camarade? Elle est la slip gros, oui. Moi-même, j'ai gros slip. Ça fait quoi? Mais ta maman, même, elle n'a pas. Au village, là, elle n'a pas. Zaye ou à Blackman, elle n'en a pas. Tu veux qu'on parle de ça? Tu n'as pas pitié de ta maman. Tu vas faire, on va exposer ça. Et puis les gens vont marcher dedans et puis tu vas t'asseoir. Faut pas laisser la dame là-bas dans sa galère. Si tu as un peu là, donne à ta maman, elle va manger. Adieu, baïde, parce que je vais descendre sur elle. Boado, je vais descendre. Et tu vas rien comprendre. Ça va frustrer tes soeurs, les soeurs de ta maman qui sont là. Tu veux ça? Parce que les gens, nous, bon, regardez ça, il y a beaucoup, hein. Ils envoient les photos, ils ont pris ta maman même au village là-bas, et puis ça est là. Et puis je vais mettre. Et puis tu vas avoir honte. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être méchante. C'est tout. Tu arrêtes. Tu fais tes trucs, vends tes trucs. On peut, si tu veux, même faire ta pub. Voilà. Vends tes trucs. Mais arrête de rentrer dans l'intimité des femmes, des gens qui peuvent être ta mère. Arrête. Si tu n'arrêtes pas là, si quelqu'un m'appelle encore pour dire oui, pardon, machin, je vais mettre
tout ce que j'ai eu sur ta mère ici. Et puis les gens vont rentrer dans elle. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Donc sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire à ma fille Sylvia T. Parce qu'elle me fatigue. Voilà, elle fatigue les gens. C'est pas bien. On ne peut pas, sur la toile là, il y a tous les pays qui sont là. C'est une diversité des gens qui sont là, qui regardent. C'est tout le temps les Ivoiriens, oh les Ivoiriens, les blogueurs Ivoiriens. Si c'est en bien encore, c'est bon. Voilà, arrêtez de vous emmerder. Celui qui paflote là, nous on aime, il a ses gens qui aiment pafloter. Les pafloteurs, moi j'aime les pafloteurs. Paul, il aime les, je sais pas, ceux qui sont, on dit, il y a d'autres qui se font mougou par les hommes. D'autres aiment ça, laissez-les comme ça. On dit, il y a l'autre qui est poclé. Il y a des poclés qui aiment ça. Moi, chacun a sa gamme. Laissez, faites vos trucs. Au lieu de vous emmerder et vous montrer en spectacle devant les gens. Hein? Devant les autres des pays, là. J'étais dans le bus l'autre fois. Les gens qui disent, ah, les Ivoiriens font honte maintenant hein, aux Africains. Ça fait honte. Vous faites honte. On n'est pas là pour ça. On dit, sauver l'Afrique. Ouattara tu, Kawada. Vous dites quoi? Ouattara tu. Il y a des gens en prison, Noël arrive. Si vous faites des dons dans les hôpitaux ou dans les, je sais pas moi, dans les prisons, vous pouvez faire ça. Vous influencez là. Vos noms sont vendeurs. Faites des dons. Et puis on va avancer. Au lieu de venir dans nos souffrances là où Ouattara nous fait chauffer le soleil qui est déjà chaud à plus de 100 degrés sur notre tête, vous allez venir nous emmerder avec des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais si elle t'a demandé de venir coucher avec elle, et puis tu vas venir mettre son intimité dehors, pendant que toi, ta mère, elle n'est même pas regardable. Toi, tu as parlé d'une belle femme, je suis à Dubaï, ton ventre, on dirait vieux tam-tam de ces nouveaux là. Tu vas venir emmerder les gens. Il faut rester tranquille. Voilà, il faut rester tranquille. Où on est là, on a nos problèmes. Adroudigui, nos têtes là sont chargées. Ouattara nous rend fous. Si tu ne peux pas parler de ça, vends tes trucs pour récupérer ou bien garder les Mongols. Vends ça. Il y a des gens. On dit si tu vois le blanc, laisse tomber. On peut épouser ça et puis venir parler sur la toile. Je suis Madame Lé, son nom de mariée là. Oh. Moi-même, je savais que le gars là était mongol. Il a quitté Maroc. Oh, vraiment. Bon, bref. On va pas trop, hein, djenzin. Mais j'attends qu'elle vienne chier là, je sors là. Hein? Faut pas, ils vont nous emmerder. En tout cas, ils nous fatiguent, ma petite soeur, ma taba. On a les problèmes, le gars est là-bas. Les quoi, Justin, sont malades. C'est des sujets, les gens sont en prison. On viole les enfants. Ça, là, c'est pas. Vous ne pouvez pas parrainer quelque chose pour le bien-être des enfants. Regardez Emma Loès. Elle fait des trucs pour les enfants. Elle, c'est ça, elle fait ça. Au lieu de venir nous emmerder. Oh, l'autre, son enfant n'a pas de couche. Ou bien, c'est ça, là, c'est ça qui nous intéresse. Notre vie, là, Eva, c'est ça. Ça fait quelque chose à notre vie. Arrêtez. Ouattara. Parlez à Ouattara. Il n'a qu'à libérer les gens. On va faire la paix. Parce que si la guerre vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour nous tous. Donc ça là, si vous ne pouvez pas dire ça aussi, vendez vos produits, vendez vos trucs. Chacun fait ses trucs. N'embrouillez pas nos écrans, on perd nos trucs. Ce n'est pas pour regarder vos conneries. OK? Bon, sur ce, je pense avoir tout dit. Et je vous aime, hein, c'est sincère. OK? Donc, que Ouattara libère les enfants des gens. Voilà, qu'il libère, c'est la fête. Quand il aura fait ce geste-là, quand il aura posé ce tact-là, libérer tous les prisonniers politiques, sans exception, on n'est pas là pour faire du tamis, trier, tamiser les prisonniers, non. Libérer les gens, les prisonniers de la crise post-électorale, libérez-les. Le ministre Charles Begoudé, donnez son passeport, il va partir. Et puis on va avancer. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Je vous aime, je vous aime et merci pour votre soutien. Allez vous abonner, abonnez-vous sur ma page Naomi Vétiédé. Et voilà. Et sur ma chaîne YouTube, Naomi Vétiédé aussi.
chaîne. Vous tapez Naomi Détier des chaînes. Et abonnez-vous massivement et conseillez ma chaîne. Et bientôt, je vais faire des choses dessus, voilà. Et on va avancer. Donc, je vous aime. Et c'est sincère, on est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, je suis prête à tout. Voilà. Dans les jours à venir, Ouattara, il va comprendre. Il faut qu'il libère. Il faut qu'il libère les gens. Voilà. Quoi, Justin, c'est pas normal. Comment il est là? C'est pas normal. Et en plus, quand ils sont comme ça, on se bat pour qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, se faire soigner. Il veut qu'il meure là. Il veut pas. Donc, il faut trouver une solution pour quoi, Justin? Et je sollicite toutes les personnes de bonne volonté d'aider. Voilà, nos stars, les joueurs, les footballeurs, s'ils peuvent aider le petit frère quoi, Justin, et la sœur Awa et Oura, vraiment, je serai très heureuse. Voilà, je serai très heureuse. N'attendons pas d'arriver à la catastrophe et puis pleurer. Ça ne sert à rien. Voilà, pendant qu'ils sont vivants, aidons-les. Voilà, donnons ce qu'on doit donner pour le pire qu'ils mangent maintenant, que de penser à faire quelque chose quand ils ne sont plus là. Voilà, sur ce, je vous aime et c'est sincère. C'est bien moi. Naomi, elle est comme ça. Elle ne sait pas jouer. Je ne sais pas jouer. Voilà, c'est moi. Acceptez-moi tel que je suis. On est ensemble. Bisous.